Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'aller visiter le Action de Coulommiers dans le 77. J'avais envie de le découvrir, donc on va aller le découvrir ensemble d'ailleurs, pour celles qui ne le connaissent pas. Donc déjà pareil, hein, il y a le mur de la semaine d'Action. Et à première vue, il est très grand. Et les allées sont assez larges. Bon allez, on va aller à la recherche de nouveautés et d'arrivages. Un petit tour dans les albums photos. Celui-ci, c'est une nouveauté. Donc il est à 2,99€. Il y a les feuilles. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Et il y a celui-là avec les cœurs. Alors comme je disais dans l'une de mes vidéos, c'est vrai que ce qui est dommage avec tout ce qui est, avec toute la nouvelle génération de téléphones, c'est qu'en général on prend des photos et on les développe pas. Enfin moi personnellement je les développe pas forcément, je les archive sur un disque dur. Mais du coup d'avoir des photos comme ça, c'est vraiment très sympa. Donc ça c'est une très très bonne idée cadeau à offrir à ses amis ou sa famille. Et à celui-là aussi. Je suis dans le rayon loisirs créatifs et il est très très bien rangé aussi. Alors tiens, hier vous m'aviez demandé, une personne m'a demandé en commentaire le papier transfert. Donc il est là, il est à 2,99€. Donc comme je lui ai expliqué, donc le papier transfert vous allez le trouver dans le loisirs créatifs ou parfois il est dans le rayon où il y a les albums photos et les toiles. Donc les feutres, vous avez les marqueurs vert céramique, vous avez les feutres à alcool. Alors étagère murale, trois compartiments, alors c'est pas une nouveauté, mais elles sont très jolies, elles sont à 4,95€. Donc vous avez trois compartiments avec en haut une petite étagère. Donc elle existe en noir et en blanc. Et donc la taille, c'est des 36, 14 par 23. Une petite nouveauté du mois de mai, avec ces plantes grasses. Donc il y en a 6. Alors il y en a deux différentes. 2,79€. Donc c'est artificiel, hein. Je dis au cas où. Alors ça aussi c'était une nouveauté du mois de mai à 2,79€. Donc c'est un pot en verre avec des cailloux et une plante artificielle. Aussi ce modèle. Je vous remontre encore une fois les bacs de rangement parce que je trouve vraiment ça pratique et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de partager parce que après on peut avoir un réfrigérateur vraiment très bien rangé. Vous avez celui-là à 1,99€. Vous avez ceux-là, alors dans mes dernières vidéos je ne les avais pas montré mais c'est pas une nouveauté, mais c'est vrai que quand c'est là ça a tendance à partir très rapidement. Donc celui-là par exemple vous pouvez ranger des canettes. Enfin, moi j'y range certains fromages par exemple dans mon réfrigérateur. Donc 1,79€, mais voilà, c'est normalement pour les canettes, mais moi j'y mets autre chose. Vous avez cette boîte là à 2,12€. Voilà, donc là ils mettent par exemple pour le fromage et le jambon. Et vous avez ces bacs de rangement. Moi j'en ai deux dans le compartiment de mes fruits et légumes. Donc 1,88€. Donc là vous avez vraiment les 1, 2, 3, 4, les 4 modèles. Pour moi, les plus pratiques, c'est ceux-là, parce qu'ils sont bas. Donc, j'avais acheté un supplémentaire comme ça pour mettre dans le réfrigérateur, mais je le trouve trop haut. Donc, je préfère les plus bas.
Alors là, ils ont des mini fermoirs. Alors pareil, ça c'est un article à peine déposé, c'est aussi vite reparti. Donc ils sont à 3,39. Donc moi j'en ai un, mais pas ce. Je l'avais pas acheté ici puisque je n'arrivais pas à le trouver. Du coup, c'est vraiment très très pratique. Voilà, c'est pour refermer les paquets de chips, enfin le paquet de café. Moi, la dernière fois, j'avais mis de la salade, donc j'en avais fait beaucoup trop. J'avais mis dans un sachet, j'ai refermé avec ça. Et franchement, je l'ai mis au réfrigérateur pendant une semaine. Ma salade est restée nickel. Alors du coup, parfois, quand je présente ce produit en commentaire, vous me dites que y a aussi les pinces à linge et tout pour refermer. Alors c'est vrai que la pince à linge, c'est vraiment un super système et tout, mais le problème, l'air rentre quand même. Et là, ça coûte 3,39 et franchement, vous préservez vraiment le goût de beaucoup d'aliments, même les chips. Hein, quand vous mettez une pince à linge, quand vous revenez, je sais pas, peut-être 3 semaines après, les chips quand même, elles ont pris un petit coup. Mais là, avec ça, comme il n'y a vraiment pas d'air qui rentre, vous êtes sûr que vos aliments sont conservés. Voilà, et vous avez différentes couleurs en général. Des nouveautés dans les sous-verres aussi. Vous avez celle-ci qui est vraiment jolie. Vous avez le papillon. Vous avez celui-là. Et il y en a un autre un peu plus loin avec des brocs. Des brocs et des théières. Donc 99 centimes les 6 pièces. Une nouveauté du mois de mai aussi, c'est ça, c'est les sous-verres en simili-cuir. Je vous les avais déjà montrés, je crois, début mai. Vous les avez en carré et en rond. Alors dans mes dernières vidéos, je vous parle toujours du thème maritime en vous disant que ça va être un peu l'effet mode de ce moment-là. Et du coup, je vous montre les housses de coussin. Donc elles sont à 2,49€. Je vais essayer de voir s'il y a... Il y en a une avec une encre. Et vous en avez aussi avec le gouvernail. Je cherchais le nom du volant du bateau. C'est un gouvernail avec du rouge. Elle est vraiment sympa aussi celle-ci. Donc voilà, donc elles sont à 2,49€ et c'est des 45 par 45. Je vous montre aussi le rayon vaisselle. Il est super bien rangé aussi, regardez. Voilà. Et puis en plus, il est bien approvisionné. Non mais regardez comment il est rangé ce rayon, c'est incroyable. C'est le rayon jardin, dis donc. J'aime beaucoup aussi parce que c'est très astucieux, vous voyez. On a une tête de gondole, mais c'est un petit thème. Donc le thème, c'est soleil. Avec les chapeaux Panama à 2,99€, ceux-là à 1,99€, mais voyez, vous avez les éventails, hein. Vous avez aussi les masques après soleil, vous avez le brumisateur d'eau, alors celui-ci aussi c'est une nouveauté Mixa, enfin non, c'est pas une nouveauté de chez Mixa, c'est donc nouveau à Action, donc ils ont d'autres brumes d'eau, mais pas de cette contenance et de cette marque, donc 2,95€, et en plus c'est une 400 ml. Donc au rayon soin du visage, vous en avez aussi des plus petites. Donc j'expliquais aussi que la brume d'eau apaisante, ce n'est pas que quand on a chaud pour se rafraîchir, c'est aussi pour se nettoyer le visage. Vous avez des sacs de plage à 5,99€. Et celui-là. Et vous avez aussi celui. Un petit coup d'œil aussi sur le rayon maquillage. Toujours aussi bien rangé. C'est une éponge en fait. Je sais pas quoi ça sert. Et il y a la petite nouveauté que je vous ai montré hier, c'est le vernis bourgeois. Donc il y a trois couleurs. Il y a celui-ci, celui-ci, et puis il y en a un rouge un peu plus clair ou plus vif. Alors une petite nouveauté, c'est des petits patchs anti-moustiques. Donc apparemment vous les collez, alors faut pas les coller sur la peau, hein, surtout pas sur la peau, mais vous pouvez les coller apparemment derrière, j'ai lu, sur le lit ou sur un vêtement. Et ça dégage une odeur de citronnelle et donc ça fait fuir les moustiques pendant 72 heures. Et c'est 99 centimes et il y a 24 pièces.
Alors, je vous l'ai déjà montré cette brosse, donc c'est une brosse ionique. Et en fait, je ne sais pas du tout ce que ça peut donner comme résultat. Donc en fait, je vous la montre juste pour vous demander si vous l'avez déjà chez vous, déjà acheté, testé, et me mettre en commentaire en fait à quoi ça sert. Donc à mon avis, j'ai bien compris que c'était pour lisser, peut-être pour avoir moins l'effet électrique des cheveux. Mais j'aimerais une confirmation si vous l'avez déjà, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et elle est à 19,95€. N'oubliez pas aussi les grands formats Sanex qui sont à 3,99€ ou 3,79€, ça dépend. Donc 3,79€, c'est le Dermo Pro Hydrate, et les autres sont à 3,99€. Et franchement, c'est des bons gels douche. Moi, je les utilise, et en fait, c'est surtout le format. Donc si vous allez en grande surface, à ce prix-là, vous allez avoir les tout petits. Donc voilà. Il y a aussi celui-là, donc il en reste un, je ne l'avais jamais vu, c'est le Nixa Expert Peau Sensible. Donc bébé, enfant et adulte. Donc c'est un 750 ml, il est à 2,95€. Alors les livres d'activité, je les ai vus hier sur Insta. Donc, je vous les montre, ils sont à 99 centimes. Et alors, ils ont très souvent plein d'autres livres d'activité, mais pensez à ces petits livres-là, surtout si vous partez en voyage, hein, que ce soit en voiture, en train, pour occuper les enfants. Il n'y a pas mieux que ça. Donc, il y a un modèle princesse, un autre plus campagne, ferme, avec les animaux. Et il y en a un troisième avec des ballerines. Tiens, c'est rigolo, je les avais jamais vus, ces ciseaux cranteurs pour enfants. Ils sont à 2,99€. Et autre chose de sympa, je vous l'avais déjà montré, mais je vous le remontre, c'est des feutres pour écrire sur les vitrines, sur les vitres. Ça peut être sympa, ça. 1,69€. Pour au niveau des stickers, vous en avez vraiment... plein, il n'y a que le choix. 89 centimes, 79. Vous voyez, vous avez aussi plein de héros pour les enfants. Vous avez des petites perles comme ça. Encore des stickers. Voilà, tout ça pour moins d'un euro. Donc pensez vraiment à venir dans ce rayon-là, comme je le dis à chaque fois. Hein. Moi, dès que j'ai connu Action, j'ai fait beaucoup, mais énormément d'économies sur tout ce qui est loisirs créatifs pour mes enfants et les jouets. Vous avez aussi des affiches, hein, 79. Alors moi, j'en ai pris une pour ma fille. Je lui ai pris pas de patrouille, hein. Je lui ai pris celle-ci. Vous avez Reine des Neiges, encore pas de patrouille. Vous avez plusieurs. Voilà, c'est celle-ci que j'ai prise. Voilà, elle est vraiment grande. Hein, c'est un grand poster. Et puis là en dessous, vous avez, c'est du plastique, des petites baguettes de plastique pour tenir le poster bien droit. Donc 1,79€, pareil, hein, c'est vraiment pas cher. Puisque quand vous allez dans d'autres enseignes, à partir du moment où c'est des héros, les prix, c'est pas ça du tout. Pareil pour les piñatas. Je les ai encore vus ce week-end dans un magasin de loisirs et c'est pas du tout ce prix-là. Et c'est exactement la même chose, c'était une licorne. Donc 7,95€. En fait, la piñata, pour ceux ou celles qui ne connaissent pas le principe, il doit y avoir une petite ouverture. Donc vous la remplissez de bonbons, enfin de petits cadeaux, de petites surprises, mais en général c'est bonbons. Et ensuite, vous la suspendez au plafond et l'enfant doit la casser en général avec un manche à balai ou quelque chose. Et une fois qu'il a réussi à la percer, il y a tous les bonbons qui descendent. On voit ça, je le dis à chaque fois en général, dans les films d'Amérique latine ou Espagne, etc. Donc ça s'appelle des piñatas. Tiens, une nouveauté, il fallait y penser. Je me demandais ce que c'était ça. Je vois poids ballon, donc je me suis dit qu'est-ce que c'est. Et en fait, quand j'ai pris, j'ai compris en fait c'est pour accrocher ici les ballons, et comme ça c'est, voilà, c'est pour ça, et comme ça les ballons ne s'envolent pas, et puis ça vous fait un joli bouquet de ballons. Donc 44 centimes. Une petite nouveauté aussi, c'est ça, c'est une toise.
vous savez, pour mesurer les enfants. Vous mettez ça au mur. Et en général, ils aiment bien. Ils trouvent ça rigolo. Puis ils aiment bien se voir grandir aussi. Donc 1,49€. Donc bien sûr, on peut prendre un crayon à papier et mettre un petit trait au mur. Mais ça, c'est toujours plus rigolo pour les enfants. Donc il est là, 1,49€. Donc il va de 60 jusqu'à 1,50m. Un petit tour dans les jouets aussi pour bébés. Vous avez celui-là, c'est le Fisher Price Rire et Éveil avec mets la table, assiette et snack. Vous voyez, en général, les enfants, ils adorent les jeux de rôle. En plus, il y a des chansons. Il y a 85 chansons. Donc je vois 15,95€. Je ne sais pas, je dis ça comme ça, mais à mon avis, dans les grandes enseignes, il doit être au moins deux fois ce prix-là, parce qu'en général, dès qu'on touche une marque, c'est vraiment très cher, et Fisher Price, c'est une très bonne marque pour enfants. Et c'est un jeu de 18 à 36 mois. Vous avez aussi ça qu'ils aiment bien, les enfants en général, donc 4,99€, donc jeu de rôle, parce que bah, ils ont un smartphone comme papa, maman, ou la grande sœur, le grand frère, ou mamie, ou papy, et du coup, ils aiment bien, et 4,99€, bah, c'est pas très cher. Et les âges, c'est à partir de 2 ans. Donc vraiment, je le dis à chaque fois que je fais ces rayons-là, pensez, si vous devez acheter un cadeau, que ce soit pour vos enfants, neveux, voisins, etc., que ce soit pour les tout-petits ou les plus grands, pensez à venir à Action, parce qu'on a des jeux de marque et à des prix Action. J'ai mis pause et je riais, parce que j'ai fait ça comme une pub. Si vous venez acheter 15 téléphones, je ne toucherai rien dessus, ni sur ça, ni sur aucun produit Action. D'ailleurs, je n'ai aucune part, d'ailleurs c'est dommage, j'aimerais bien chez Action, je n'ai aucun partenariat, aucune carte cadeau, j'aimerais bien en avoir du coup. D'ailleurs, si vous me regardez, vous travaillez à Action et que vous passez sur ma vidéo, j'aimerais bien, mais c'est pas du tout le cas. Donc tout ce que je vous dis, bah, je le pense. Quand j'aime pas un produit, en général, quand j'aime pas un produit, ou je le montre pas, ou je le montre et je vous le dis. Voilà, bah, ça c'est une nouveauté. Alors vous connaissez tous les fameux petits hamburgers, donc il y a ceux-là et cela. Et bien maintenant, il y a la pizza et le hot dog. Donc ils sont à 99 centimes. Donc les hamburgers sont à 1,99€ et les tout petits 59 centimes. Mais cela, c'est vraiment rigolo. Donc la pizza et le hot dog. Alors ceux qui me demandent pour la gélatine, donc j'ai essayé de regarder parce qu'en général, je vous montre ça, mais c'est tellement petit. Du coup, j'ai regardé. Donc il y a marqué juste gélatine sans autre information. Et là, il y a marqué gélatine alimentaire. Donc voilà. Alors quelque chose qui est très important aussi, il y a marqué sans gluten. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font des allergies au gluten. Alors ce qui est bien à Action, c'est qu'ils ont vraiment vraiment pas mal de produits sans gluten, que ce soit en sucré ou en salé, et vraiment à des prix défiant toute concurrence. Alors je parlais de gluten, je parlais de gélatine juste avant. Alors vous avez aussi beaucoup beaucoup de choix au niveau des bonbons halal à Action, et pareil à des prix vraiment très très bas. Hein. Donc après je ne sais pas si c'est vraiment un rayon où il y en a un peu partout, mais voilà. Donc c'est ça que j'aime bien Action, il y en a vraiment pour tout le monde. Et surtout pour les, je reviens surtout pour les sans gluten. Oh, quelque chose que je n'avais pas vu. Alors pour moi c'est une nouveauté parce que je ne l'ai jamais vu dans tous les actions que je fais. C'est ça, c'est 1,79€, c'est une petite boîte avec des bonbons, mais c'est rigolo parce qu'en fin de compte on dirait une petite boîte, vous savez, pour mettre les vis, les rondelles et tout ça. Donc c'est plutôt sympathique parce qu'on peut réutiliser la boîte après. Alors on va terminer par ça, par une petite gourmandise salée. Moi, je suis autant salée que sucrée, hein. Voilà, mais bah, parfois j'ai des tendances à être plus salée. J'adore les chips. Alors j'aime les chips, moi, toutes simples, hein. Pas forcément les Pringles parce que c'est des chips, mais c'est pas vraiment comme des bonnes vraies chips bien salées. Vous avez ça, des petites boîtes comme ça à 69 centimes. Alors c'est vrai, je vous les ai déjà montrées, mais c'est vrai que contrairement au prix d'un grand, bah, ça vaut peut-être pas le coup, mais des fois, je sais pas, si vous faites un pique-nique ou votre enfant fait un pique-nique, bah, c'est toujours mieux de donner une petite boîte comme ça qui se referme. Vous avez les 4 goûts. Donc voilà, je vous laisse. Alors, qu'est-ce que je retiens de ma première visite à Action de Coulommiers? Bah, déjà, la première des choses, c'est super bien rangé. Donc, il est aux alentours de 11h30, midi. Donc, vous voyez, je suis pas là forcément à l'ouverture.
Voilà, moi j'adore ce, voilà, j'adore cette marque de chips, les Lay's naturels, j'adore ça. Bref. Donc voilà, donc je suis pas forcément à l'ouverture, donc parce que parfois on me dit oui mais tu vas à l'ouverture, donc c'est bien rangé, pas du tout. Hein, donc et là il y a vraiment plein d'employés dans chaque rayon qui sont en train de faire du rangement. Et je pense que c'est un, ça doit être un magasin qui est toujours rangé comme ça. Donc voilà, en tout cas, si une des employées passe par là, je la remercie. Je les remercie tous. Et bah, je leur fais plein de bisous. À bientôt.